C'est l'Audito Miss. Aujourd'hui, vous gagnez 0-6 à Arras. Mmh. Score normal. Ouais, surtout qu'on a fait pas mal tourner. Au niveau des temps de jeu, on a fait proposer des joueuses par le coach. Et pour préparer les matchs importants qui arrivent, c'est-à-dire Montpellier, demi-finale. Voilà, il fallait prendre le match au sérieux, on a su marquer au bon moment, on est resté serein, mais il n'y a pas eu de casse, donc ça va. Vous le dites, la semaine prochaine, Montpellier, match très important, demi-finale de la Coupe. Oui, match important, ce sera un match à élimination directe, il faudra le gagner, parce que voilà, la Coupe de France, tout le monde a envie de la gagner, et nous on a encore envie de la récupérer cette année, donc voilà, et puis ça nous aidera à préparer ce gros match de Ligue des Champions. Ok, et puis c'est de nouveau à Londres, Ligue des Champions, finale contre Wolfsburg. Ouais. Équipe allemande, on connaît, hein. Ça fait 4 fois qu'on prend des équipes allemandes en finale. Potsdam, Francfort, Wolfsburg maintenant. On s'attend à un match costaud, très physique. Chacune a ses qualités et ça va donner un très joli match. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on se rappelle de la première finale à Londres, 2011? Parce qu'on l'a gagné, la première, elle rêve vraiment dans le cœur. Les sensations sont différentes, surtout qu'on courait après, le club, l'Olympique Lyonnais courait après cette Ligue des Champions. C'était quelque chose de très très fort. Mm-hmm. Et après cette saison, il y a encore le championnat d'Europe en Suède. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour la France? On a à cœur de faire meilleurs résultats que les années précédentes. On va essayer d'aller plus loin, de ne pas finir quatrième, parce que je pense qu'on a l'équipe pour aller plus loin dans cette compétition. Mm-hmm. Donc voilà, ça sera. J'espère qu'on fera un bon euro, mais avant il y a d'abord des matchs importants. Voilà. Ouais. Ok, bonne chance. Merci. Au revoir.